Le représentant adjoint de l'ONU-SIDA au Tchad, Dr Adanga Séraphin, est la première personnalité à être reçue par la première dame du Tchad. L'audience a duré une heure. Il s'est agi au cours de discussions de l'engagement de la première dame Hinda Deby Itno dans la lutte contre le VIH-SIDA. Dans son agenda 2016-2020, lancé le 20 décembre 2016 dans un hôtel de la place, Hinda Deby Itno a placé au cœur de ses préoccupations l'objectif zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination de la mère et de l'enfant, zéro décès lié au sida. La première dame, elle a une grande organisation, elle donne un appui à la lutte contre le VIH, à la santé de la reproduction et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc elle nous a interpellés, elle a interpellé l'ONU-SIDA pour qu'on appuie son organisation. Nous sommes vraiment très très contents. Et il y a des grandes activités à faire au sortir de cette réunion. Il y a une activité qui aura lieu tout de suite au mois d'octobre. Donc on sera associé à cette activité. Il s'agit de lancer une activité Naître sans sida. L'ONU-SIDA sera de concert avec l'UNICEF dans l'organisation de cette activité. Et surtout, nous avons une activité que la première dame a appelée de ses voeux. La journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre, et elle a vraiment demandé à ce que l'ONU-SIDA soit concert avec, et nous avons donné notre accord qu'on sera vraiment avec elle. Le représentant résident de l'UNICEF au Tchad, Philippe Barane Bigot, est également reçu pendant une heure. Il a été question essentiellement de la malnutrition infantile. Hinda Deby Itno a déclaré à son interlocuteur que la malnutrition reste un réel problème de santé publique. Connu pour son engagement en faveur du bien-être de la mère et de l'enfant au Tchad, l'UNICEF reconnaît le leadership de la première dame du Tchad, Hinda Deby Itno, dans ce domaine. La synergie d'action UNICEF et la première dame s'accroîtra. Nous avons échangé sur l'avancée du plan d'action des premières dames. Et nous avons permis, c'est ce qui nous a permis de réitérer notre engagement au financement et à l'exécution de ce plan. Plan qui va être mis à jour pour intégrer l'année 2019 et 2020. Et qui va permettre de mettre en place des activités bénéfiques pour les enfants tchadiens. Les problèmes de malnutrition chronique et aiguë ont été discutés avec la première dame. Ils sont effectivement très sérieux, mais qui sont pris extrêmement sérieusement par les autorités au plus haut niveau de l'État. Et donc les mesures appropriées ont été mises en place pour endiguer cette malnutrition. La conjugaison des efforts ONU-SIDA, UNICEF, appuyée du leadership de la première dame, constitue des atouts majeurs pour la lutte contre le VIH-SIDA et la malnutrition au Tchad.